Il n'y a pas de mal à se faire du bien, je crois. Donc là, c'est bien. Hein. Voilà. Mais donc, c'est vrai, parce qu'il y a exil, il y a filiation. Ça, c'est une citation, là. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, non ? Félicitations ? Non. Non. Bon, on est d'accord. Non, j'ai inventé. Parce que je la connaissais. Non, parce que c'est la seule que je connais, donc... pour ça. Non. Mais donc, les questions d'exil, les questions de difficultés de filiation, d'affiliation, enfin, c'est terrible. Mais bon, il paraît quand même que l'être humain est le seul être vivant à pouvoir se raconter son histoire à lui-même. Ça, c'est important. Paul Ricoeur, tu ne connaissais pas ? Non, mais ça, c'est une citation. Oui. Oui. Le seul être humain à pouvoir se raconter son histoire. Voilà, alors là, c'est formidable parce qu'on voit que pour se raconter leur histoire, ils vont aller travailler sur l'histoire d'autres enfants. Ça ferait très plaisir à Serge Boismard, je pense qu'il a beaucoup développé ça avec les adolescents. C'est la narrativité construite. Et finalement, l'optimisme. Une autre citation ? Non, je ne sais pas. Tom Robbins, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Je vous laisse réfléchir deux secondes. It's never too late to have a happy childhood. Parce qu'en fait, le passé, il n'est pas figé. On peut toujours le reconstruire. On ne va pas changer les événements qu'on a vécus, mais en travaillant sur l'histoire des autres, on peut tranquilliser la relation qu'on a avec son histoire précoce. Et ce film le montre tout à fait bien, je trouve.